Saint-Esprit qui nous rassemble encore aujourd'hui. Ce n'est pas une rencontre ordinaire, mais nous avons foi que ce soir, c'est une rencontre extraordinaire. Alors qu'un racheté commence simplement à élever simplement la voix et les mains pour accueillir la personne du Saint-Esprit. Oh, Esprit de la vie est là ce soir. L'esprit de la résurrection. Seigneur, nous t'accueillons. Oh, oh, oh. Esprit de la victoire. L'esprit de la rédemption. T'accueillons. Oh oui, ce soir. Qu'à toute autre chose, Esprit de gloire, Saint-Esprit, nous t'accueillons ce soir, parce que tu es l'invité de ma, tu es le directeur de ces instants, toi qui sondes les cœurs. Parce que tu es l'unique qui a été capable de ressusciter Christ. Et ce soir, nous ne voulons pas, Seigneur, nous réunir si tu n'es pas là. Nous refusons d'être là, Seigneur, si tu ne nous honores pas de ta présence. Alors nous venons, Seigneur, d'un cœur reconnaissant, d'un cœur rempli de gratitude, te dire bienvenue au milieu de nous. Esprit de vie, esprit de sagesse, esprit de connaissance, esprit de révélation. Saint-Esprit, nous t'accueillons parce que tu es digne. Tu es celui qui nous a été promis pour nous conduire dans toute la vérité. Tu as été promis pour nous enseigner toute la vérité. Alors ce soir, Seigneur, laisse que nos cœurs, Seigneur, soient disposés. Nous ramenons, Seigneur, ce soir, toute pensée captive à l'obéissance de Christ, afin qu'il n'y ait qu'un seul, un seul esprit qui a le droit de se mouvoir ce soir. Il n'y aura pas de place pour l'ennemi. Il n'y aura pas de place, Seigneur, pour des jougs étrangers. Parce que, Seigneur, c'est toi que nous accueillons. Oh! Que tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu en ces lieux.
Alléluia. T'accueillons, oui, Esprit de Dieu, viens, alléluia. Oh, Esprit de puissance est là, Esprit de Dieu, viens, c'est là. Seigneur, nos pensées, Seigneur, sont tournées vers toi. Seigneur, nous regardons à toi. Quel que soit ce qu'a été notre journée, Seigneur, à tes pieds, nous déposons, Seigneur, tout ce qui pourrait nous alourdir. Seigneur, ce soir, tout ce qui pourrait nous empêcher, Seigneur, de te rencontrer. Parce que aujourd'hui, quelqu'un est déterminé à faire une rencontre exceptionnelle. Seigneur, je suis déterminé ce soir à faire une rencontre exceptionnelle avec toi. Une rencontre exceptionnelle. Seigneur, quelqu'un, Seigneur, est venu ce soir, oh Dieu, avec l'attitude de chacun, pour te dire, Seigneur, tant que tu ne m'auras pas touché, tant que tu ne m'auras pas béni, Seigneur, je n'arrêterai pas. Oh, Esprit de Dieu, tu es le bienvenu en ce lieu. Viens, Seigneur, viens par ton feu.
revêtu Jésus. Oh, lorsqu'il est sorti du désert, Seigneur, il n'était plus le même. C'était l'heure où les démons allaient trembler. C'est l'heure, c'est l'heure. Saint-Esprit, c'est l'heure de nous revêtir de ton manteau. C'est l'heure où nos adversaires doivent reculer. C'est l'heure de souffler un souffle nouveau.
comme jamais on a entendu parler. Toute la francophonie, de compter les bienfaits de l'Éternel. Elles ne sont pas à leur terme.
suis venu rappeler à la circonstance que Dieu a déjà tout accompli. Le Dieu que je prie est le Dieu qui parle et la chose arrive. Je dis que c'est l'heure. Contre ma destinée, Seigneur, se déchire. Oh, c'est l'heure. 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 Il est là, Saint-Esprit. Ricondorio brossa candelina da mai. Il est là, l'Esprit de Dieu. Il est là, l'Esprit de Dieu. Il est lì che obro il abascandelina e brossenta la mai. Il est cora vacascente che re alla mai. E ondere abacasse che re le prescolte re alla mai. E lorsqu'il est là, le miraculé est à notre portée. Lorsque tu es là, Seigneur, le miraculeux est à notre portée. O re conta la braccia interia ma calcette e la baba e o re conta la baba. Lorsque tu es là, Seigneur, l'ordre divin est rétabli dans nos vies. Rite no brossecere la baba baba. Ricontere la bassette e la bra. Yekene la brasso quinta la baba baba. Lorsque tu es là, Seigneur, les circonstances s'inclinent devant ta grandeur, devant ta puissance. Il est là par son esprit. Requentere la brascia le brosse. Ricontere la basso, tere la baba. Quelqu'un se dit, Seigneur, je ne sais pas comment m'exprimer. Alors nous allons nous exprimer par des soupirs inexprimables. Requentere la baba. Io la brosse, tere la baba. Oh. Que ta nuée, Seigneur, oh, recouvre ce temple. Et les qui la baba, les qui oh, il est là, requintere la basso, quintere la baba. Il est venu, Seigneur, s'enchérir dans sa situation. Requintere la basso, quintere la baba. Non, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu raconteras les bienfaits de l'Éternel. Viere bosse, requintere la baba. Sa majesté est dans la place. Endere o le bosse. Viere o bossa candere la baba. Rabbi, rosse candere la basso candere la baba. Non, l'homme s'élève vers toi. Et candere la basso candere la baba. Toi qui parles la chose. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je le crois, je sais. Tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Paracletos. Je sais que tu es là. Oui, je sais que tu es là. Requentere la basso kinda. Je sais que tu es là. Oui,
je sais que tu es là, Esprit de la création. Oui, je sais que tu es là, Esprit de la résurrection. Oui, je sais que tu es là, Esprit de gloire.
son vent fort. Là où les principautés et les dominations, ainsi que les autorités, Seigneur, voulaient nous arrêter, nous proclamons que celui-là qui a vaincu la mort est avec nous. Hey! Seigneur, tu es là. Seigneur, alors j'ai l'assurance. Yeah.
declaramos. Seigneur, ce soir, ce soir nous t'implorons, ce soir nous te supplions, ce soir nous présentons devant le trône de la grâce. Ce soir nous voulons crier à toi encore. Nous croyons que tu es là. Nous savons que tu es là. Et nous croyons que ta présence fait la différence. Nous croyons, Seigneur, que tu ouvres des avenues devant nous. Et par nos prières, par nos supplications, par nos requêtes, par nos intercessions, nous voulons faire notre part sur la terre, afin que tu fasses ta part. Nous voulons te supplier. De toutes les paroles que tu as libérées sur nos vies avant la fondation du monde. De toutes les paroles que tu as libérées sur ce pupitre à chaque moment, à chaque culte, à chaque moment de prière, à chaque enseignement, à chaque prédication. Devant chaque graine, semence de parole que nous avons reçue, pour chaque parole que nous avons crue et serrée dans les tables de nos cœurs. Nous te prions pour qu'aucune d'entre elles ne reste sans effet. Et que les paroles de Dieu, portées par les messagers de Dieu, appelés les anges, que ces paroles atteignent leur destination dans nos vies. Cette semaine, nous te supplions. Nous voulons comme un corps faire monter nos supplications. Nous ne voulons pas rester chacun de nous prier dans son coin parce que nous croyons à la puissance de la prière corporative. Et que un en chasse 1000, les deux en chasse 10 000, les 1000, les 2000 en chassent des milliards. Alléluia. Seigneur, me voici, j'ai besoin de toi, je veux te toucher et être touché par toi, touché par la parole, car la parole touche sa cible, sa cible dans nos vies. Ça cible dans nos corps, nos esprits, nos âmes, notre condition, notre système de pensée, notre mentalité. Que les paroles reçues, que tout s'accomplisse. Les paroles de libération, de guérison, de transformation, de délivrance, de restauration. Oh, je te prie. Oh, je lève la main pour dire je suis ici, je te prie. Oh, il y a une guerre qui se joue en ce moment. Dans le lieu spirituel, il y a une bataille. Seigneur, me voici. Accorde-moi la grâce de faire ma part. Accorde-moi la grâce de porter le flambeau. Accorde-moi la grâce de mettre, de faire comme de zèle. Seigneur, me voici. Je ne jette plus l'éponge. Je ne capitule plus. Je suis désormais partisan, partenaire de ton esprit, associé du Saint-Esprit. Je ne blâmerai plus, je n'accuserai plus, je ne te questionnerai plus, je ne maudirai plus Dieu. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Papa, j'ai besoin de toi.
Seigneur, me voici. Nous venons avec un même cœur, avec une même âme. C'est un même corps spirituel. On chante la télé des mots. Seigneur, me voici. Réveille ma combativité. Seigneur, dirige nos pas. Seigneur, suscite ton armée. Seigneur, conduis ton armée. Nos soldats m'amènent les débours. Conduis-nous, nous te prions. Dans toutes sortes de prières. Fais-moi un partenaire, Saint-Esprit. Fais de nous des partenaires. Fais de nous des soldats de Christ qui ne capitulent plus jamais. Fais de nous des soldats fervents. Fais de nous des soldats bouillants. Fais de nous des soldats zélés. Seigneur, me voici. Et dans la boca, t'as les amours. Des soldats insaisissables, immaîtrisables, incontrôlables par le royaume des ténèbres. Inarrêtable, fait de nous un peuple inébranlable. Manifeste que
la fertilité soit, que la folie quitte nos vies, que les migraines quittent définitivement, que les esprits de sorcellerie soient détruits, que les esprits d'envoûtement soient détruits, que les chaînes démoniaques soient brisées, que les limitations de notre intelligence soient brisées, que notre intelligence soit déployée. Il faut que ta gloire se lève. Il faut que la lumière retrouve sa clarté. Il faut que le sel retrouve sa saveur. Il faut que nos vies retrouvent leur impact. Il faut que le sel soit rétabli. Il faut que la puissance soit restaurée. Il faut que la gloire soit rétablie. Il faut que la gloire soit rétablie. Il faut que l'éclat de nos vies soit restitué. Il faut que ce qui avait été volé soit rétabli. Il faut que ce qui avait été dérobé soit rétabli. Il faut que la gloire soit restaurée. Il faut que les ténèbres soient dissipées. Il faut que les ténèbres soient dissipées. Que l'obscurité soit chassée. Et que la lumière de Christ paraisse. Et qu'enfin se lève le soleil de justice. Il faut que tu rendes à chacun selon ses œuvres. Il faut que ton nom soit glorifié. Ton nom est glorifié. Lorsque tes œuvres, ta parole devient faite de chair. Lorsque tes paroles à toi s'accomplissent. Ainsi ta gloire est révélée. Ainsi l'on peut contempler ta gloire. Il faut à la patrie de mon chaleur. Il faut, il s'agit de ta gloire. Il s'agit de ton nom. Il s'agit de ta gloire. Il s'agit de tes œuvres. Il faut que l'on te voie à l'œuvre. Il faut que l'on te reconnaisse. Il faut que l'on sache que tu es vivant. Que l'on sache que tu n'as pas changé. Que tu es le même hier aujourd'hui. Ainsi que l'éternellement. Il faut qu'on dise que le Dieu qui agissait hier. Que le Jésus qui faisait tout à merveille hier. Fait encore tout à merveille. Il faut que celui qui a dit que tout est possible. Confirme que tout est possible. Hier, tu guérissais toute maladie, douleur et infirmité. Il faut que tu le fasses encore aujourd'hui. Afin qu'il soit reconnu. Hier, tu brisais les jours. Tu ôtais les fardeaux. Il faut que l'on te conjugue au présent. Il ne faut pas qu'on dise le Dieu d'hier. Il faut qu'on te conjugue au présent. Qu'on reconnaisse que tu agis. Et que celui que nous invoquons n'est pas une statue. Que l'on sache qu'il n'est pas mon nom. Que l'on sache qu'il n'est pas un objet, non. Celui qui a divisé la mer rouge. Celui dont on parlait dans l'Ancien Testament. Il faut qu'on parle de toi aujourd'hui. Il faut que l'on parle de toi. Il faut que l'on te rende gloire. Il faut que tu s'agisses de toi. Il faut que tu sois reconnu comme Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Il faut que ton règne soit établi. Il faut que tes œuvres soient manifestées. Il faut que tes paroles soient faites de chair. Il faut qu'on te conjugue au présent. Il faut que ta gloire apparaisse. Que les
étoiles qu'on avait essayé d'éteindre. Il faut que l'étoile brille. Il faut que ta gloire se lève. Il faut que ton peuple se lève. Et qu'un peuple resplendisse. Il faut que ton peuple rayonne. Il faut que les ténèbres soient chassées. Il faut que les voiles soient déchirées. Il faut que toute chaîne soit brisée. Il faut que tout arbre que Dieu n'a pas planté soit déraciné. Que ta parole soit plantée. Que tes œuvres soient visibles. Il faut que tu sois le seul reconnu. Il faut que tu sois. Que tu fasses irruption dans les affaires des hommes. Que tu fasses irruption. Que toi-même tu interviennes au pays dans les affaires des hommes. Que tu te mêles de la situation. Il faut que tu rentres dans le dossier. Il faut que tu rentres dans nos vies. Il faut que tu l'interviennes. Les cababras sont dans la brousse. Il faut, il faut, il faut. Là on avait dit ça sent déjà mauvais. Là on avait dit c'est déjà décomposé. Là on avait dit ça déjà commencé à se détruire. Il faut que tu interviennes. Ils avaient dit ça fait déjà plus de 3 jours. Et que plus rien de bon ne peut sortir de cette tombe. Il faut, il faut, il faut. Que la puissance de résurrection descende. Que la puissance de résurrection descende. Que descende dans nos vies. La puissance de résurrection. Là où on a dit ça ne peut pas changer. Là où on a dit ça ne peut plus vivre. Là où on a dit ça ne peut pas survivre. Là où on a dit c'est impossible. Et pas apprécié à la vie. La puissance de résurrection. Mais la puissance invoquée. Il faut, il faut, il faut. Là où on a dit ce jour ne peut pas être détruit. Ce fardeau ne peut pas être ôté. C'est là qu'il faut, il faut. Il faut, il faut, il faut. On l'avait dit c'est incurable. On l'avait dit c'est impensable. On l'avait dit c'est inconcevable. On l'avait dit c'est impossible. Mais Père, nous te prions. Il faut, il faut, il faut. C'est là qu'il faut. Reconnu comme Dieu, que tu réduises tes ennemis au silence. La bataille ne nous appartient pas, elle appartient au Seigneur. Ce n'est pas nous qui combattons, c'est toi qui combats pour nous, c'est toi qui révèles qui tu es. Tu ne défends pas notre honneur, nous n'avons pas d'honneur à défendre. Il faut que ton nom soit respecté. Il faut que ton nom Jésus soit reconnu. Il faut que ta main soit constatée. Et il faut que tu sois reconnu. Il faut que les nations te rendent honneur. Il faut
faut que les peuples te louent. Il faut que la gloire te revienne. Ce ne sont pas les paroles des esprits de sorcellerie. Ce ne sont pas les paroles des esprits familiers. Ce ne sont pas les paroles des esprits de blocage. Ce ne sont pas les paroles de limitation qui s'accompliront sur nous. Il faut que ce soit tes paroles. Il faut que ce soit tes œuvres. Il faut que ce soit ta signature. Il faut que ce soit ta volonté. Si ce n'est pas ta volonté, que cette situation passe mais ne s'arrête pas. Si ce n'est pas ta volonté, il faut, 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 il Il s'agit de ton nom, du nom de Jésus. Ton nom est invoqué sur nous. Nous ne faisons que porter ton nom. Nous sommes les temples de Christ. Il faut que tu sois reconnu. Que tu rendes à chacun selon ses œuvres. Que le Dieu de justice paraît. Que le Dieu de vengeance paraisse. Que le Dieu qui défend notre cause paraisse. Celui qui veille sur sa parole pour la rendre manifeste. Il faut que ce qui a été envoyé depuis le ciel soit réceptionné sur la terre. Il faut que le colis qui est parti d'en haut arrive à nos vies. Aucun colis ne se perdra en route. Aucun colis ne sera dérobé dans nos vies. Aucun colis ne sera volé. Aucune gloire ne sera perdue. Il faut, il faut, il faut. Il faut, il faut, il faut. Il faut, il faut, il faut. Il faut. Seigneur, pas à nous mais à ton nom. Il faut que tu donnes gloire. Tu vas nous dire pas à moi mais à ton nom. Ton nom est associé à ta parole. Ta parole est associée à ton nom. Il faut qu'à ton nom tu donnes gloire. Dans tel domaine de ma vie, 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 il faut que tu donnes gloire à ton nom. Il ne s'agit pas de moi. Moi je ne suis qu'une vitrine. Je ne suis qu'une vitrine d'exposition. C'est toi qu'on voit à travers moi. Il ne faut pas que la disgrâce, l'embarras reste sur ma vie. Parce qu'on va croire que tu es le Dieu de la disgrâce et de l'embarras. Moi je ne suis qu'une vitrine d'exposition. Moi je ne suis qu'un témoin. Il faut élève la voix, dis-lui. C'est le moment de plaider. Tu dis à Dieu, il faut. Tu ne peux pas laisser ma vie là où elle est. Il faut. Les catamabros sont catalés de l'héros. Il s'agit de ta gloire. Tout le monde élève la voix. Tout le monde élève la voix. Et ma brata de l'héros. Il a la d'amour. Et il faut les catalés de l'héros. Ma brata de là-bas. C'est le moment de plaider. C'est le moment de plaider. C'est le moment de plaider et d'intercéder. Les cabros sont ta maman. Il est ma brassade ta maman. Il faut de ta parole. Moi je ne suis qu'un modèle d'exposition. Moi je ne suis qu'une vitrine. Moi je suis transparent. Moi je suis un transporteur de la gloire de Dieu
Moi, je ne suis que le temple du Dieu vivant. Mais si le temple est en désordre, si le temple est détruit, on va croire que le président n'est pas capable de changer cette condition. Il faut que tu interviennes. Il faut que tu te manifestes. La pauvreté ne te glorifie pas. Le manque ne te glorifie pas. La maladie ne te glorifie pas. Les démons ne te glorifient pas. Les tourments ne te glorifient pas. Les afflictions ne te glorifient pas. Les blocages, la folie, la malédiction ne te glorifient pas. La mort prématurée ne te glorifie pas. Elle n'est pas ta volonté. Alors il faut que ta protection, les catamarros, elle soit sur nous, sur nos enfants, sur ton église. L'esprit de mort ne vient pas pour te glorifier. Il vient pour glorifier le diable. L'esprit de mort ne peut pas prévaloir. Ah! Les catamarros. Il faut que mon âme soit restaurée. Il s'agit de ta gloire, non pas de moi. Il s'agit de ta gloire, non pas de moi. Il s'agit de ta gloire, oh tendre Père. Il s'agit de ta gloire. Il ne s'agit pas de mon nom de famille. Il ne s'agit pas de mon propre cas. Il s'agit de toi. Il s'agit de ta gloire. Il s'agit de ta gloire. Oh, je t'en supplie. Il s'agit. Je ne plaide pas pour moi-même. Je ne suis qu'un modèle d'exposition. Il s'agit de ta gloire. 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 Il s'agit. Il s'agit de ta gloire. Écoutez, il s'agit de ta gloire. 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 On y va. Il s'agit de ta gloire. Pas de nous, non. Non, non, pas de nous. Il s'agit de ta gloire. Oh, nous te prions. Donne gloire à ton nom. Le nom de Jésus sur nos vies, nos destinées, sur notre héritage. Il s'agit de ta gloire. Non pas à nous, non
Il s'agit de ta gloire. On donne qui ne nous glorifie pas, non, mais glorifie ton nom. Rosso catama prese dalle vere vos. Viele la mambo. Lenta de la mambo. Rosso catale de mo catale de mo. Il s'agit de ta gloire. Il s'agit de ta gloire. Il s'agit de ta gloire. Lorsque tu le dis, il ne s'agit pas de ma gloire. Ça veut dire le but. Ce n'est pas que les paroles que moi j'ai dit avec ma volonté propre, les paroles que je voulais dire s'accomplissent. Parce que parfois je suis comme Pierre. Je ne sais même pas ce que je raconte. Un coup je dis que le Fils du Dieu vivant. Un autre coup je dis le contraire. Lorsque tu dis, il ne s'agit pas de ma gloire. Tu le dis, mes mots ne comptent pas. Mes paroles ne comptent pas. Mais que les tiennes, celles du Créateur, comptent et s'accomplissent. N'accomplis pas ce que mon âme veut. Accomplis ce que tu as résolu dans ton conseil secret avant la fondation du monde. Parce que parfois, moi j'ai dit, je veux épouser tel type de personne. Ça c'était ma gloire. Mais des fois j'ai épousé la personne que mon âme voulait. Et je me suis retrouvé dans la confusion, la disgrâce et l'embarras et la honte. Parce que je ne savais pas qu'il y avait une différence entre les besoins, les désirs de l'âme et les désirs de l'esprit. Je ne savais pas que l'esprit comptait plus que les désirs de l'âme. Parce que l'esprit a enregistré des informations. L'esprit sait exactement ce qu'il te faut mieux que ton âme. Il s'agit de ta. Lorsque tu dis, il ne s'agit pas de ma gloire, il s'agit de pas la gloire de mes parents. Ne laisse pas les prophéties de mes parents s'accomplir. Parce qu'eux-mêmes parfois ne savent pas, ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Ils voulaient juste me voir reproduire la vie qu'ils ont ratée. Mais ce qui me donnera le plaisir, ma vie sera accomplie lorsque les paroles que tu as prononcées, les biens, les bénédire, les bénédictions. Car tu sais mieux que nous ce qu'il nous faut. Et tu l'as déjà appelé à l'existence. Tu l'as déjà libéré. Tu nous as prédestinés avant la fondation du monde à suivre une trajectoire. Tu avais formé sur nous des projets de paix et non de malheur pour nous donner un avenir et de l'espérance. Ce sont ses projets. Sur Joseph, ils l'ont jeté dans le puits. Mais les projets que j'avais formés avant la fondation du monde, c'était le palais. Ce n'était ni le puits, ni la prison. C'était le palais. Pour Anne, les démons, le diable, lui allant prédestiné à la stérilité chronique et permanente. Mais ta gloire avait prophétisé avant la fondation du monde que non seulement cette femme serait féconde, mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Il ne s'agissait pas sur Anne que de la fécondité. Il s'agissait d'engendrer un prophète qui influencera les nations. Le but n'était pas seulement d'engendrer, d'enfanter. Le but c'était d'enfanter un témoignage, un miracle. Ça, c'était la gloire que tu avais préparée afin que cette femme appelée Anne devienne une écrivante de l'histoire d'Israël. Au point que son nom est mentionné dans la Bible. Il s'agit de ta gloire. Il s'agit à notre volonté. Mais ta gloire, il s'agit de ta gloire. Il s'agit de ta gloire.
Il s'agit de ta gloire. Il s'agit de ta gloire. Abba Père. Oh, nous t'implorons. À ton nom, donne gloire. Il n'y a pas de gloire de Dieu dans l'affliction, le tourment. Il n'y a pas ta gloire dans la maladie. Il n'y a pas ta gloire dans l'affliction des démons. Il n'y a pas ta gloire dans l'échec, les blocages, les soucis, les divorces, la confusion, les divisions, les déchirements. À ton nom, donne gloire. Il s'agit. Rachakatale de la mosa de la mosa. Et ma brosso katale de la mosa. Dale la brisa de la gloire. Il s'agit de ta gloire. Tous ensemble, il s'agit de ta gloire. Tous ensemble, il s'agit de ta gloire, ma paix. Glorifie ton nom sur nos foyers, dans la vie de nos enfants. La drogue, la rébellion, c'est pas ta gloire. Non, non, non. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Moi et ma maison, nous t'honorerons. Moi et ma maison, nous te servirons. Nous marcherons tous les jours de nos vies dans les chemins, le sentier que tu as tracé. Toi, ma paix, nous t'implorons. Déverse-la sur nos foyers, nos vies, nos destinées, notre témoignage, notre héritage. Toi, il s'agit de ta gloire. Il s'agit de ta gloire. Il s'agit de ta gloire. Église, allons-y. Il s'agit de ta gloire. On y va. Il s'agit de ta gloire. Plus fort, plus fort. Il s'agit de ta gloire. Je n'entends pas sur ma gauche. Je n'entends pas la rangée centrale. Il s'agit de ta gloire. Plus fort, plus fort. Entends le cri. Ne défends pas notre honneur, non, non. De mais défends ton honneur. N'accomplis pas nos désirs personnels. Accomplis tes paroles. Il s'agit encore une fois. Il s'agit de ta gloire. On y va, on y va. Il s'agit de ta gloire. 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 À ton nom, toi ma paix, nous t'implorons, nous te supplions, ma paix, il s'agit de ta gloire, il s'agit. Voilà pourquoi tu le feras. Voilà pourquoi tu manifesteras la faveur, l'expansion de tous côtés, la création de richesses, la santé divine, la percée, la prospérité de tous côtés, le salut dans nos familles. La santé totale, les abrachats à la réponse, la conversion de nos enfants. Il s'agit de ma paix.
Abba Père, Abba Père, et à la gauche, chantons-le avec un murmure, dans un esprit d'adoration. Nous n'existons pas, oh Christ vit en nous, Christ respire par nous. Exprime-toi à travers nous. Oh, sois constaté. Que ta main invisible soit reconnue en nous. Que tes œuvres magnifiques soient reconnues. Et quand tu as les ravances, que les vitrines d'exposition soient resplendissantes. Nous te prions. Il s'agit de toi. Non, 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 pas de nous, non. Non, 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 pas de nous, non, non. Nos sommes là, ma mère. Ne nous laisse pas pour nous sommes. Allons-nous au profond. Que le plein héritage soit visible. Que l'héritage soit total. Un peuple d'héritier engendré, un peuple d'héritier manifesté, ta signature reconnue, tes œuvres contemplées. Il s'agit, au chalet de la vie. Il s'agit, à Babel. Il s'agit, il s'agit, il s'agit. Il ne prend pas part dans un combat où sa gloire n'est pas engagée. L'État français ne va pas dans un conflit où il n'y a pas ses intérêts quelque part. Ne vous y trompez pas. Si vous voyez ce pays engager la guerre quelque part, c'est qu'il y a des intérêts pour lui. C'est qu'il s'agit de sa gloire. Dieu ne s'implique pas. Dieu ne combat pas. Dieu ne s'immisce pas. S'il ne s'agit pas de sa gloire. Mais lorsqu'il s'agit de sa gloire, alors quand tu lui dis il s'agit de toi, il sait que c'est la vérité. Il est obligé de s'impliquer afin qu'il n'y ait pas de disgrâce sur son nom, afin que sa gloire ne soit pas ternie, afin que sa gloire ne soit pas dérobée. Et lorsque tout ce qui te concerne, toi, vis pour sa gloire. Il s'agit. Il s'agit de la gloire. 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 Nous ne plaidons pas pour notre propre gloire, mais nous prions que toi tu sois glorifié dans ces mariages déchirés. Il ne s'agit pas de défendre l'honneur de mon nom de famille. Il s'agit de ta gloire. Que l'on reconnaisse que tu fais tout à merveille. Que l'on reconnaisse que tu es le bâtisseur de ce foyer. Que tu le reconnaisse que tu es le guérisseur. Le médecin, le chirurgien de ma vie. Je vais voir les médecins, c'est vrai. Mais celui en qui je me confie, c'est toi. Il s'agit.
Il s'agit de celui sur qui je prends appui. Celui en qui j'espère. Abba Père, il s'agit. Il s'agit. Que soient les prophètes et prophéties, quel que soit ce qui avait été annoncé, quelles que soient les paroles négatives que moi-même j'avais ajoutées, qui disaient je vais échouer, je ne marierai pas, ma mère avait raison, mais maintenant je change de confession. Mon mariage est une question, pas une question personnelle, mais trop de gens ont injurié ta capacité. Trop de gens se sont moqués de ma chasteté. Trop de gens se sont moqués de mon abstinence. Et on dit, mais où est donc ton Dieu? Abba Père, montre-leur que j'ai choisi la bonne part. Montre-leur que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Montre-leur que je n'ai pas dit ton dernier mot. Montre-leur à quoi ressemble un miracle de Dieu. À quoi ressemble une connexion faite par Dieu. Montre-leur ce que c'est une œuvre et un chef-d'œuvre. Montre-leur la différence entre un chef-d'œuvre et une œuvre. Montre-leur la différence entre mariage et mariage. Montre-leur la différence entre réussite et réussite. Il s'agit de ta gloire. 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 Il s'agit de ta. 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 Il s'agit de ta.
il s'agit de toi. Ah, il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Sopra papa de les mots. Il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Rosoka da fabre que te le demos. Yama brasa ta ta yere le mosse. Ta gloire parlera. Yama brasa ta ta le demos. Les projets des hommes, les propres fautes, les projets des hommes, les puissances sataniques avaient décidé de mettre en veilleuse ta gloire. Mais elle finira par parler. Elle parlera. Il s'agit de ta. Il s'agit de ta. Il s'agit de ta. Elle parlera. Elle parlera. Dis à ton âme, espère en l'Éternel. Ne t'abats pas. Elle parlera. Celui qui l'a fait parler dans la vie de Joseph la fera parler dans ta vie. Celui qui l'a fait parler dans la vie de David la fera parler. Ses frères, les frères de David, le propre père de David, considéraient qu'il était tellement bon à rien qu'il était le seul envoyé garder les brebis, les moutons et les chèvres dans le désert. Pendant que les 7 premiers enfants étaient dans la maison. Parce que son erreur était de naître d'une union illégitime, adultère. Et quand il faut venir nommer un chef d'État, le prochain roi, on oublie le 8e enfant. On le laisse à la bergerie, dans le désert. Et on met les 7 enfants bien habillés, afin que Samuel les regarde. Et ils pensaient tous qu'il pouvait empêcher la gloire que Dieu avait prévue sur cet homme, ce roi selon le cœur de Dieu. Il pensait qu'il pouvait l'empêcher avec leurs manipulations, avec leurs arrangements humains, avec leur coalition satanique. Il pensait qu'il pouvait empêcher la gloire de parler. Il ne s'agit pas des opinions humaines. Il ne s'agit pas de l'opinion des gens à ton sujet. Il s'agit de ce qu'il a arrêté d'avance avant la fondation du monde. Il s'agit de ce qu'il avait dit. Et ce qu'il avait dit s'accomplira. Car il veille sur sa parole pour l'exécuter. Et lorsque la parole est faite chair, alors tout œil le verra. Nous avons contemplé sa gloire. La gloire comme celle du Fils unique du Père. Il s'agit. Père, merci. Dans les tuyaux, dans les coulisses du monde invisible, nous te rendons grâce. Est-ce que tu n'es pas en train de préparer des projets de confusion et de désastre? Alors que l'Église fait sa part et invoque le nom du Seigneur. Le Seigneur œuvre dans l'invisible. Voilà pourquoi tu dois dire à ton âme, attends, ne t'abats pas.
Et tu dois dire à tes ennemis, attends, s'il te plaît, ne souris pas. Tu commettrais une grave erreur. Tu commettrais une grave faute. Attends. Et pendant ce temps, excusez-moi, je vais juste dire une parole et je vais clôturer. Je dois juste donner cette parole. Je dois juste libérer cette parole. Dans 1 Samuel. Dans 1 Samuel. Nous connaissons tous l'histoire de Anne. Alors qu'elle était abattue. Alors qu'elle était découragée. Alors qu'elle répandait son âme devant Dieu. Alors qu'elle faisait une alliance avec Dieu. Anne a fait un vœu. Et nous avons fait des vœux, des prières adressées à Dieu. Dans 1 Samuel chapitre 1. Elle dit au serviteur Élie, verset 16. Elle dit, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Elle a dit ça à Élie. On va lire au verset 15. Au verset 15, il dit, Anne répondit, non mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Au verset 17, il est écrit, Élie, qui était le sacrificateur de Dieu, le prophète de Dieu. Élie reprit la parole et dit, va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Attends, attends. Anne avait fait un vœu. Mais faire le vœu ne suffisait pas. La Bible dit au verset 18, elle dit, voilà ce que Anne a répondu. Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme, lorsqu'elle a entendu la parole d'Élie, après qu'elle ait exprimé un vœu, il lui fallait juste une parole prophétique. Il lui fallait une parole qui venait d'un homme de Dieu par le Saint-Esprit. Et Anne, la Bible dit, elle a dit que ta servante trouve grâce à ses yeux. Et cette femme s'en alla. Elle qui ne mangeait pas depuis plusieurs jours, la Bible dit, elle mangea et son visage ne fut plus le même. À quel moment le visage de Anne ne fut plus le même? Pas lorsqu'elle a conçu, mais lorsqu'elle a reçu la parole prophétique. Elle s'est levée, elle est allée manger. Parce qu'elle a, lorsqu'il lui a dit, va, qu'il te soit fait selon ta prière. Selon ce que tu as exprimé à Dieu. L'apparence de Anne a changé. Son visage ne fut plus le même. Anne a fait un vœu et elle a cru à la parole prophétique qui avait été annoncée. Elle a marché sur cette parole en changeant la configuration de son visage. À la place de la tristesse et de l'amertume, la joie et l'enthousiasme et l'excitation a pris le pas, a pris le dessus. Sors d'ici comme Anne, avec le visage changé, l'apparence, la contenance changée, avec une mélodie à la gloire de son nom, qui lui dit, il s'agit. Elle a fait un vœu. Elle a dit à Dieu, j'ai toujours voulu un enfant pour moi. Mais si tu me donnes un enfant, il sera pour ta gloire. Si tu exauces, ça sera pour ta gloire. Je le promets, ça sera pour ta gloire. Et dès qu'elle a dit à Dieu, ça sera pour ta gloire, il lui a dit, va, ta prière est exaucée. Je déclare que les soupirs, les gémissements de ton cœur, de nos cœurs, sont exaucés. Dans le nom de Jésus. Parce que il s'agit de sa gloire. Il s'agit. Il s'agit. Il s'agit de sa gloire. Il s'agit. Il s'agit de sa gloire.
Il s'agit une dernière fois plus fort. Il s'agit de sa gloire. Il s'agit. Il s'agit de sa gloire. Il s'agit de sa gloire. Oh, les cabarets s'apparaissent. Change de visage. On s'attaque à l'héros. Et que t'es la mabrosse. Et que t'es la mabrosse. Et aucun de nous ne restera dans la confusion. Parce qu'il s'agit de ta gloire. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient notre partage. Et maintenant et à jamais, à toi l'honneur, la puissance, le conseil, la force, la sagesse, la gloire, et maintenant et à jamais. Nous te rendons la gloire dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, 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 il s'agit. À cette personne, sa gloire parlera. Sa gloire parlera. Excellente soirée à vous. Demain, nous nous retrouvons ici à 19h30. Nous ne savons pas à quelle heure nous finirons, mais ça ne sera pas 2h. Nous resterons ici. La gloire va atterrir en ce lieu de paix. Et ce que t'es les démons, oh, qu'à t'as les démons.